C'est nul, hein? Ouais, moi j'aime beaucoup, hein, Mais j'aime c'est trop bien. bien! Ouais. Mais c'est quand même Bah, vraiment. c'est... Mon premier souvenir, en tout cas, c'est le Roi Lion. Mais j'ai dû en voir plein avant. Mais j'en ai aucun souvenir. Il y a un film très mauvais, enfin notoirement mauvais, que j'ai regardé beaucoup trop souvent. Et c'est Waterworld. Des moments qui sont très bien. Le début est très bien, le principe est très bien. En gros, il y a plus... la Terre a disparu, tout a été englouti par la fonte des glaces, évidemment. Et Kevin Costner, qui est à la fois producteur du film, est une nouvelle race humaine avec les pieds palmés, des ouïes derrière les oreilles. Et il est capable de respirer sous l'eau. Et c'est une espèce de Mad Max, mais sur l'eau. Et en fait, c'est mauvais. C'est vraiment... c'est pas un très bon film. Donc les films qui se tournent en Italie. Je pense au talentueux Monsieur Ripley, je pense à Call Me By Your Name. Voilà, des films comme ça, dans des belles baraques, en Italie, ou des trucs comme ça me plairait bien. Je crois, comme tout le monde, Usual Suspect. Enfin, Mystic River aussi. Voilà. J'ai une pub, et là c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de scène, il n'y a pas de situation. Et on m'a mis dans une espèce de grande salle de danse avec une table au fond avec 5 personnes. Et je devais arriver en moto, m'arrêter, enlever mon casque, caresser la moto et regarder le point de vue. Récemment, il y a une BD que j'ai trouvée formidable qui s'appelle Peau d'Homme et qui en, adap ah non, ouais, en adaptation serait intéressante. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ah, je suis désolée, je suis partie. C'était horrible. Enfin, ouais, je suis partie. J'ai pas pu. Non. Salle obscure. C'est. Il y a plus de sensations, quoi. Je veux dire, sinon, on va chez soi regarder les plateformes. Dommage. C'est compliqué pour moi de choisir un film qui vraiment me fait plus rire que les autres. Il y a Les Bronzés, La Cité de la Peur, Les Visiteurs, qui c'est quand même extraordinaire. Et plus récemment, 21 Jump Street, Mes meilleurs amis. C'est très très dur. Je peux pas répondre à un film qui me fait plus OSS. Enfin voilà, c'est très très drôle tout ça. Joyeuses funérailles aussi, les comédies anglaises aussi sont super. Ouais, difficile, je peux pas. Il me semble que Sean Connery, je sais pas si c'est Sean Connery ou Roger Moore, qui à un moment donné dit à une James Bond girl qu'elle sait nager comme un homme. Et que c'est vraiment super, il la félicite. Ça a été repris par OSS 117 d'ailleurs, et intelligemment. Donc voilà, les répliques de James Bond, il y en a quelques-unes qui sont bien, bien gratinées quand même. Le monstre marin est vraiment très très laid.